tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des clés du bonheur. Je suis Elvan Mind Coach et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène dans une petite promenade. Donc c'est un test où il faut vous mettre vraiment bien à l'aise, enlever la télé, enlever les bruits parasites, reposez-vous et ne cherchez surtout pas à réfléchir, laissez-vous guider vers cette promenade et laissez-vous guider tout au long de ce test et ensuite je vous répondrai ce que veut dire les choses. Je voulais rajouter aussi, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, vous devez vous souvenir du témoignage de Rita, mon amie, qui est venue vous témoigner de son étape de vie, de son changement et de ce qu'elle a traversé récemment. Eh bien, c'est elle qui m'en a fait part de ce test et je l'ai trouvé vraiment magnifique et vraiment parlant aussi pour tout le monde. Donc, si vous voulez découvrir comment il va s'appliquer à vous et découvrir quelque chose sur vous que vous ne soupçonniez pas, et ben je vous laisse commencer la promenade. Donc pour ce faire, je vais vous demander de vous détendre et ensuite d'imaginer, de laisser place vraiment à votre imagination, laisser ressortir les choses telles que ça vient, telles que vous le pensez, laissez vraiment faire, ne bloquez pas. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous demander d'imaginer un chemin et que vous êtes sur ce chemin. Imaginez, visualisez ce chemin. Comment est-il? Quel temps fait-il? Et je vous laisse progresser dessus, l'analyser. Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il a des virages? Est-ce qu'il est fait de pierre, de terre, de sable? Vous y êtes? À travers ce chemin, maintenant, retenez comme il est. À travers ce chemin, vous trouvez une clé face à vous. Où est-elle? Comment est cette clé? Essayez de voir les détails de cette clé, sa taille, sa couleur. Est-ce qu'elle scintille? Est-ce qu'elle est terne? Est-ce qu'elle est ancienne, moderne? Où est-elle? Est-ce que vous la prenez? Ou est-ce que vous la laissez? Ensuite, vous continuez sur ce chemin, vous avancez tranquillement et vous allez rencontrer un peu plus loin sur ce chemin un cimetière à côté du chemin. Est-ce que vous voyez ce cimetière? Comment est-il? Moderne, ancien, comment sont les tombes? Est-ce que vous pouvez l'apercevoir? Est-ce qu'il y a un portail, une porte, des murets ou rien? Est-ce que vous pouvez y entrer? Est-ce que vous avez envie de vous promener à l'intérieur? Est-ce que ça dégage de la paix? Est-ce que ça dégage une peur? Est-ce que c'est angoissant? Ou est-ce que c'est paisible? Quelle émotion est-ce que ça vous fait ressentir cette vision? Prenez note, observez, ressentez, et quand vous le sentez, on continue le chemin. À présent, vous continuez sur ce chemin. Vous marchez, vous continuez. Et maintenant, surgit un loup. Le loup est plus loin sur votre chemin et vous observe. Il est conscient de votre présence et vous de la sienne. Comment est ce loup? Est-ce que vous pouvez voir les détails? Quelle est son attitude? Quelle est sa couleur? Qu'est-ce qu'il fait? Comment vous interagissez avec lui? Est-ce que vous en avez peur? Ou non? Quelle est l'interaction qui se passe? Et je vous laisse un instant là-dessus. Prenez le temps de noter les choses ou de voir tout ce qui se passe. Vous pouvez même faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps à chaque étape. À présent, on continue le chemin. On continue de marcher, toujours, toujours, toujours.
Et maintenant, vous trouvez un vase. Un vase sur votre chemin. Il peut être dessus, à côté. En tout cas, c'est un vase. Comment est-il? Dans quel décor est-il? Quelle est l'ambiance qui règne autour? Et surtout, comment est le vase? Est-ce qu'il est neuf? Est-ce qu'il est ancien? Décrivez-le. Décrivez ce que vous voyez. Ne réfléchissez pas. Voilà, après ce vase, on continue la promenade. Encore, on marche beaucoup. On continue la promenade et on arrive au bord d'un lac. Pouvez-vous visualiser ce lac? Comment est-il? Quel temps fait-il? Quelle est l'ambiance qui règne autour? À présent, il y a une maison au fond et vous devez y accéder de l'autre côté du lac. Comment faites-vous? Est-ce que vous nagez? Est-ce que vous contournez? Comment faites-vous? Est-ce qu'il y a une barque à côté? Qu'est-ce que vous voyez? Prenez vraiment le temps d'observer ce qu'il y a dans votre tête, dans votre visualisation, dans votre imagination. Et sortez vraiment, ne réfléchissez pas, sortez la première réponse qui vient. Comment rejoignez-vous cette maison au fond, de l'autre côté du lac? Vous y êtes? Et enfin, dernière étape, on arrive à cette maison. Et je vous demanderai où elle est située. Est-ce qu'elle est au bord du lac? Est-ce qu'elle est plus loin? Quel est son environnement? Est-ce qu'il y a un jardin? Comment est-elle? Est-ce qu'elle est ancienne, en ruine? Est-ce que c'est une cabane? Quelle est cette maison? Et quand vous rentrez à l'intérieur, est-ce que vous voyez de la vie? Est-ce qu'elle est occupée? Quelle est l'ambiance? Quel est le décor de cette maison? Et comment vous vous y sentez surtout? Est-ce qu'elle a l'air chaleureuse, accueillante, froide, angoissante? Prenez le temps de la visiter, de regarder et notez cette dernière étape. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à vraiment faire pause maintenant, car là je vais enchaîner très vite sur le reste pour leur rendre un format court à la vidéo et vous donner les réponses pour vous dire qu'est-ce que chaque point signifie pour vous. Donc maintenant, c'est la partie réponse et découverte. Qu'est-ce que veut dire cette petite promenade? Qu'est-ce que veut dire ce chemin et tous les éléments qui étaient dessus? Premièrement, je vous ai demandé de visualiser le chemin et l'ambiance, le temps, etc. Et ce chemin définit votre vision de la vie. Ah, pardonnez mon chat. Il grimpe et il fait du bruit. Donc cette vision définit... Ce chemin définit votre vision de la vie. Comment vous visualisez la vie? Est-ce que c'est dur à grimper? Est-ce qu'il y a des cailloux? Est-ce que c'est facile? Dans ce cas-là, c'est plane. Est-ce qu'il y a des virages? Est-ce que vraiment votre vision de la vision que vous avez de la vie? En deuxième temps, je vous ai demandé de visualiser une clé. Cette clé représente les opportunités qui s'offrent à vous. Et le point important, c'est est-ce que vous la prenez? Si vous la prenez, par exemple, cela voudra dire que vous savez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Si vous la laissez, alors c'est que vous savez les reconnaître, mais que vous ne les saisissez pas. Et si vous ne la visualisez pas, dans ce cas-là, c'est que vous bloquez à pouvoir recevoir les opportunités. Et la manière dont elle est faite doit vous parler aussi. Et ça, c'est propre à chacun. Et doit vous apporter des éléments de réponse. Décidément, il fait le cirque. Ensuite, on est arrivé à un cimetière. Ce cimetière représente votre vision de la mort, votre rapport à la mort.
Donc si par exemple il y avait une porte fermée, cela voudra dire que vous restez vraiment de l'autre côté et que vous refusez d'y accéder. Est-ce que vous y êtes baladé à l'intérieur? Votre vision par rapport à la mort? Est-ce que vous avez ressenti de l'angoisse ou de la sérénité et de la paix? Quel était votre rapport? Quel était votre émotionnel à ce moment-là? Et vous aurez la réponse. Un peu plus loin, on a croisé un loup. Le loup représente les problèmes. Que faites-vous quand des problèmes arrivent dans votre vie? Quelle est votre attitude? Et vous allez voir que c'est vraiment votre attitude. Quelle était votre interaction avec ces problèmes? Est-ce qu'ils vous ont fait peur? Est-ce que vous avez juste observé? Quel rapport était-il avec? Quel rapport aviez-vous avec? Et ensuite, on arrive au vase. Le vase représente votre rapport à la spiritualité, à votre religion. De la manière dont vous l'avez vu, décrira le rapport que vous avez avec votre spiritualité. Ce qu'il représente, comment il était, est-ce qu'il scintillait, est-ce qu'il brillait, est-ce qu'il était cassé, est-ce qu'il était vieux, abîmé. Bonjour, t'es pas un loup. Et ensuite, on arrive au lac. Ce lac représente votre interaction avec les autres. Comment vous vous ressentez avec les autres et au milieu des autres. Et votre façon de le traverser ou de le contourner traduit votre comportement avec les autres quand vous devez être mis en avant ou prendre une décision ou agir avec les autres. Et dernièrement, la maison vous représente vous-même. Comment était cette maison? Est-ce qu'elle était chaleureuse, accueillante, froide? Elle représente la façon dont vous vous ressentez, où vous trouvez. Et voilà la fin de la promenade. Est-ce que ça vous a appris des choses sur vous? J'espère que oui, et je pense que oui. Je pense que beaucoup d'entre vous seront surpris. Et personnellement, j'ai vraiment adoré cette promenade et j'ai vraiment adoré pouvoir vous en faire part. Car c'est vraiment des tests où votre conscient n'a pas lieu d'être, votre imagination peut s'exprimer, votre visualisation aussi. Et vous pouvez vous parler à vous-même d'une autre manière et apprendre des choses sur vous. Et je vous invite à faire le test à d'autres personnes, à partager la vidéo pour qu'ils puissent en prendre connaissance ou à prendre des notes et leur faire. Ça peut être un beau thème de soirée entre amis, un beau moment et marrant aussi de voir la vision de chacun par rapport à tous ces sujets, par rapport à eux-mêmes, à la vie et leur façon de voir les choses. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même. Et encore merci à tous ceux qui partagent les vidéos, me soutiennent, laissent des pouces en bas de la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour pouvoir diffuser ces messages et pouvoir aider le plus grand nombre. Merci à vous, une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Thank you.